recommence l'enregistrement, on remet le chat en plein écran et let's go. Petite binouze au miel. Ah là là, ça fait plaisir. C'est quoi cette Zixtix, la musique qui était dans le... qui était dans le truc avant, c'était la mention de Hotline Miami 2. Merci pour Mekaten, qui est juste oufissime. Hop. En tout cas, je trouve qu'on est devenu plutôt OP sur la sur les problèmes techniques. Attendez, mais cette course, on l'a pas déjà faite? C'est une coupe aléatoire parmi toutes les courses qu'il y a? Ou c'est... Parce que moi, j'avais compris qu'en fait, c'était le tracé des courbes était aléatoire. Mais... F-Zero que de nostalgie. Ah, c'est plus que ça, là. C'est du bon jeu. Franchement, meilleure course de jeu ever, hein, je trouve. Après, je les ai pas tous faits, donc du coup... Mais c'est tellement original dans le contenu que... C'est vraiment révolutionnaire. C'est des jeux qui sont tellement fondateurs. Vous savez, on parle souvent de Mario et machin, et Mario c'est un peu de la merdasse, parce que Mario c'est fondateur quoi. C'est pas, enfin Mario c'est pas de la merdasse, hein, c'est pas ce que je pense moi. Hein. Hop, et la souris, on la dégage. C'est juste que souvent on peut retrouver ça, Mario, c'est un jeu pour les noobs et tout ça. Non, 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 écoute mec. Ça c'est un peu le free taunt de la communauté genre code. Tandis que nous, quand la communauté des Mario dit « Ah mais les joueurs de code, vous savez pas jouer, vous savez pas ce que c'est qu'un bon jeu, machin. » Donc on va éviter les taunts, on va éviter tous ces amalgames de merdasses. Je n'aime pas... Il y a des communautés qui sont moins intéressantes que d'autres. Par exemple, la communauté de League of Legends, il y a quand même beaucoup trop de rageux et beaucoup d'autres trucs. Mais en tout cas, c'est pas ce qui ne fait pas un mauvais jeu. Ne crachons pas sur les jeux. Si ils sont aimés par autant de monde, c'est qu'ils ne doivent pas être aussi mauvais. La série d'Assassin's Creed et tout ça, il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants dedans, ce qui fait que machin. Et après, il y a la hype autour, hein, la hype du gamin de 13 ans qui, s'il n'a pas joué Assassin's Creed, et ben il va se suicider, mais. Oh là là, putain, bien entendu, on se tape un monde comme ça. En tout cas, ce n'est pas permis ici, ce n'est pas permis dans ce chat. Personne ne clash une communauté. Ce n'est pas bien. Personne aime se faire clasher pour le style de jeu qu'il joue. Donc imaginez clasher les autres, c'est pas beaucoup plus malin. Un peu de bon sens les amis, ça fait pas de mal. Ok, on est 30. On est 30. On a jamais. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un tour aussi mauvais. What? Je me repère à l'eau en fait. J'avais pas vu qu'il y avait de l'eau en bas. Allez là. Ce qui manque peut-être à ce F-Zero, ça serait un grand chelem. Non? Ça serait dur. Hein. Ça serait vraiment dur. Quoique ça serait dur, mais partiellement. Parce qu'en fait... Il suffirait d'éliminer le rival à plusieurs reprises et ça serait quasiment gagné à coup sûr. La bonne parole de Senior Styx. Non. Nounours, c'est un troll ou pas ce que tu dis? On peut clasher la communauté des mangeurs de caca. Oh non. Non, même pas. C'est nul. C'est nul de clasher. Personne aime qu'on se moque de lui, hein, et il y aura toujours un mec pour se moquer de vous, les copains. Donc soyez pas le gros con qui se moque des autres, voilà. Moi je suis le premier, hein, je suis le premier à moquer de certaines personnes et à critiquer. Mais la critique elle peut être constructive. Et pas forcément méchante et désagréable. Elle peut être vraiment intelligente. La critique intelligente, ça manque pas mal de trucs. Cela, je voyais, en fait, je vous dis ça, je pense que, je vous l'ai déjà dit, je pense que vous êtes un public qui est vraiment, vous n'êtes pas des débiles, hein, mais à ce qui paraît, il y a beaucoup de problèmes après le FIFA Show et après d'autres trucs,
Et je trouve ça vraiment, c'est genre le seul mot que j'ai à l'esprit, c'est juste, c'est dommage. C'est dommage que, genre, c'est pas ton jeu, c'est genre t'es avant un mec qui stream un truc que toi t'as envie de voir. Du coup, bah, je le pourris. Mais bah, mec, t'es gogol ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que t'as envie de faire ça? Donc, forcément, c'est Keke 13 ans qui a pas compris encore à la vie. Mais il faut lui impliquer, il faut lui comprendre. Donc, je pense qu'il y a quand même 2-3 jeunes qui doivent traîner ici. 2-3 jeunes qui forcément doivent pas être aussi cons que tous les autres jeunes et qui pensent avec leur bite, parce que ce n'est pas un gros mot, vu quand on est jeune, on pense avec les hormones, hein, les copains. On a tous été jeunes, on a tous pensé avec notre bite. Et le truc, c'est que déjà, l'effort de venir sur une télé rétro indé pour regarder des jeux, c'est quelque chose de difficile à faire, je trouve. Donc en tout cas, bravo aux plus jeunes d'entre nous qui découvrent, ou même qui découvrent pas forcément, peut-être qui ont des parents qui ont une connaissance du jeu vidéo. Oh putain, je suis au zéro de vital, je crois. Non! Ouais, ben c'est bizarre, mais après c'est souvent sur la TV1. Je suis de retour pour... Ah, Dark Philippe, t'arrives pile au moment où je décède. Ouais, il y a 85. 85 quoi? Putain, notre rival c'est Bloodfuck. J'ai pas compris comment on avait perdu autant de vie. Bon, on s'est un peu cogné, ok, mais il me semble pas avoir spammé le boost. Je comprends pas comment on a pu perdre autant de vie. Putain! Pardon. J'ai fait ça pour éviter Google Man avec sa toupie. Et voilà. Putain. Puis juste mourir à la limite de la zone qui nous heal, c'est quand même les boules. En tout cas, le F0X, que je trouve quand même très bien, que je trouve quand même dans la... Non, t'as cogné violemment les parois. Ok, Elgorod. Je trouve quand même qu'il est moins difficile que son fils, le GX. Ou GX, je trouve qu'il y a beaucoup de courses qui sont extrêmement punitives. Salut à toi, Elzaï, des bisous. Merci d'être passé. Il me semble que oui, j'ai spammé le boost. Ah bon. Ah, il y avait pas mal de boost au sol, hein, mais je crois pas l'avoir spammé, hein, vraiment. Je crois pas, hein, vraiment. Replay, s'il vous plaît, replay. Putain. Ce truc là est quand même bien bien méchant. Oula. Voilà, on fait déjà un meilleur premier tour. Je spamme pas comme un gogol le boost. Oh, le beau jeu. Je me suis cogné volontairement avant pour ne pas décoller. Est-ce que vous trouvez pas que c'est le beau jeu? Moi, je trouve que c'est le beau jeu. Oula, je vais trop vite, là. Je vais trop vite, je panique. Et j'utilise pas mon dérapage. Pas la race. Oula. Tout le monde se prend ce truc, en fait. Mais bon, justement, il faudrait être meilleur que le bot. Vous pensez pas? Oh! Il a utilisé un boost juste avant la fin, salaud! Salaud de reptile! À dents. Quoique les reptiles peuvent avoir des dents. Regarde, un mur quasi un quart de vie, t'as juste cogné violemment. Ok, merci Algoroth. Oula. Les courses là sont pas faciles, hein, quand même. GP Race standard.
ta position, ta vie, et aussi tes ennemis, hein, Ellori. Ce jeu est bien, bien plus intéressant que Mario Kart. Enfin, franchement, Mario Kart 64, je le porte vraiment pas dans mon cœur. Et pourtant, c'est un de mes premiers jeux, hein, jeux vidéo compris. Hein. Vraiment, je le trouve pas très bon. Les gens l'encensent souvent. Moi, je trouve que c'est le moins bon des opus de Mario Kart de loin. Après, j'ai pas fait celui sur GBA. Celui sur DS, les gens, ils ont tendance à dire qu'il est pas très bon. Moi, j'ai trouvé excellent. Donc bon, voilà. Celui sur Wii U, je l'ai pas torché, mais notre ami Necro qui est ici, si je dis que je trouve mauvais, va pas être content, je pense. Oula. What? Oh, le peloton! Cassez-vous, laissez-moi tranquille. Oh! Oh, la destruction de l'ennemi. Oh, la seconde destruction d'ennemi. Oh, il y a un mec qui m'a poussé dans le dos, ça c'est GG. On est 10! On est 10! Oh là là. Ah merde! Oh là, on a plus de vie, on a plus de vie, on a plus de vie. Non mais là on va finir mal, hein. Enfin. On est tous dans le rouge. 6? Mais c'est nul! Ouais, ouais, le SNES il est trop cool. Diddy Kong, tu parles de Diddy Kong Racing, Nounours? J'ai pas vu notre position, mais là j'ai pas bien joué. Hein. Mais le F-Zero là ce soir, j'ai bien joué. Quoique là c'est l'exemple machin. Bien entendu, quand on arrive un peu tard, je joue mal. Hein, c'est la fatigue du streamer. Pas GG pour Lazarus, ouais, non, là ça m'était pas GG. Hein. J'aurais dû retry, je pense. Parce que 6, c'est nul. Hein. Mais quand même, le jeu, c'est quand même complexifié, je trouve. Oh là là. C'est pas facile ça. C'est-à-dire que pour se soigner, c'est pas GG. Hein. You got bast power. Elle dégage. J'aime bien être en premier dès le début de la course. Hein. Je trouve que c'est quand même vachement plus agréable et moins stressant que d'être obligé de se dire putain, il faut que j'utilise de la vie. Alors que là, on peut gérer notre avance, c'est pas mal. Et j'ai pas été malin, parce que comme je disais, la barre de vie est pas pratique à prendre. Donc il vaut mieux garder les boosts pour le dernier, le final lap. Ça fait grosse ambiance de métalleux. Hein. Là, on va arriver au truc rose là. Ouais. Boost power! Ah, Diddy Kong Racing qui est excellent. Là, on parle d'un jeu fun. Qui... Alors, on est combien? Un second, sérieusement. À 3 points, putain. Ah non! Ah, si on finit premier, on a gagné là. Si on est premier, on a gagné. Crash Team Racing, je n'y ai jamais joué. Oh là là, mais pourquoi cette course? En plus, il n'y a aucun suicide. Très bien. Les mecs s'en battent la race. C'est infini. Je les vois plus.
pas vrai, mais on est hyper loin là. Que se passe-t-il? Cimer et Lori pour le GG. Mais attendez, mais on est tellement loin. Il y a le peloton là. Allez, Brett. Je t'arnaque. Salut. Oh là là, mais ça va tellement vite. Oh là là, on se retrouve dans le peloton, non ! Oh là là, oh là là, oh là là. En plus, notre rival est second là. Putain. On a perdu. On est obligé de faire un retry. Salut à toi, Lithium. Lithium, ce qui est un bon cool, un nom qui est bien cool. Quelle montée, mais c'était pas suffisant, Lazarus. Il faut que je la joue plus ballsy, je crois. Et plus beau jeu aussi au début. Mais au début, j'arrive pas. Mon Blue Falcon, il merdouille, vous avez vu? Je vais pas suffisamment vite, qu'est-ce qui se passe? J'ai une position dégueulasse sur ma chaise. Oh là, la vitesse. Oh la vitesse. Regardez ça. Bon allez, on va devoir spammer. Pas GG Sticks. Non, bah non, pas là, pas encore. Mais on a mis moins de temps à rattraper le peloton là. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu mieux que sur la course précédente. On les arnaque un peu, hop. Merde. Alors ça, c'était un super super mauvais move. Là on est. Il y en a 5 devant, juste devant moi. Mais ça suffit pas, le mec est premier. Ça suffit pas. Je suis très très stressé. Vous le sentez. Il faut que je finisse premier à tout prix en fait. Merde, c'est fini. C'est mort. Je la sens pas. Je n'aime pas du tout cette course. Je n'aime pas du tout du tout cette course. Non, jamais, je me suis jamais plaint de la manette, je crois. Faut que je prenne le premier boost là. Merde, je l'ai raté. J'y arrive pas hein. Sur cette course là, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. C'est très troublant. Hein. Qui est mort. Ok, salut. Faut qu'on soit genre dans les trois premiers ou... Oh là là! Toi avec ta toupie, tu te casses bien. Est-ce qu'on peut le faire? Ah là là, ils nous rattrapent tous. En fait, c'est le début de la course que je comprends pas comment faire bien. Ah, j'y arrive pas. Ah, j'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Ah merde, j'ai sauvegardé en plus. J'ai sauvegardé et du coup je voulais charger la course, j'y arrive pas. Et c'est la lose, c'est le BG. Mon balara s'en refait une parce que ce jeu est trop ouf.
On est combien, Styx? Bah, c'est à toi de me le dire parce que moi j'ai fermé ma truc. Styx, tu dois pas avoir les peurs d'aller vite. J'ai pas peur d'aller vite, hein, mec. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai pas fait exprès de ralentir là. Là, j'ai essayé d'aller ouais, à fond les ballons. Hein. Ça n'a pas marché. Oula. Mais je comprends pas comment on peut aller vite en fait au début de la course. Vraiment, I don't get it. Il y avait un boost à droite, je crois. Donc autant se mettre à gauche, hein, comme ça on le rate. Je comprends pas, je dérape énormément avec ma voiturette. Il n'y a pas de truc pour me soigner. Fuck. Fuck. Bon, deux secondes, c'est pas trop mal. Ah. 88 miles à l'heure. Bon, est-ce que vous kiffez les gens? Dites-le moi un peu dans le chat. J'ai besoin qu'on me remonte le moral après cette défaite lourde. Quand même, et plus on s'avance dans la soirée, moins je joue bien. Hein. Ça par contre, c'est un truc constant dans mes streams. Hein. Ouais, Darkfib, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'était une très très bonne idée d'avoir fait un circuit F0 sur Mario Kart, je trouve que c'est un beau clin d'œil et puis ça montre qu'ils ont pas oublié la licence. Je trouve que c'est très très important. À mon avis, ça annonce un nouveau F0 sur Wii U, mais bon, peut-être sur 3DS hein, aussi. Hein. Qui sait? Parce que franchement, ça serait pas illogique de faire un F0 sur 3DS aussi en 32 bits, 64 bits, je sais pas. Hein. Ça pourrait être chouette, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein. On te kiffe, merci Joe. Ça fait plaisir. J'ai l'impression que j'y arrive plus. Genre, le peloton, souvent, il est devant moi et j'en chie grave pour le dépasser. Donc après, plus la course est facile, moi, plus je trouve que le peloton est bon. Oh là là, il suffit que je me fasse toucher une fois, parce qu'en fait la barre de vie elle est hyper trompeuse. Vous avez vu là le petit truc de vie qui reste, vous pensez que vous pouvez prendre genre deux coups? Non, tu fais toucher une fois, t'es mort. Ah merci pour les... Un petit Morito, non, ça serait pas raisonnable. Oula oula. Ça... En tout cas, je me lasse pas du tout de la bande son. Oh, il y a un mec qui m'a donné un petit coup de boost là, Simerlani. Bon, merci pour vos messages, les copains, ça fait plaisir. Il y a un Star Wing d'annoncer aussi. Ouais, ouais, bah après Star Fox, je trouve que c'est moins bon que F-Zero quand même, dans la globalité. Carole qui disait qu'elle avait adoré le Star Fox Adventure, et mais moi j'ai pas du tout le même plaisir qu'elle à y jouer. J'ai trouvé le jeu très facile.
Et puis j'avais été assez déçu parce que je m'attendais, vous savez, à un jeu de tir quoi, avec les. Avec les Starwing et tout ça, à la Starwing et tout ça, et non. J'avais été pas mal déçu sur ce point-là. Vous savez, quand vous attendez à quelque chose et qu'en fait ce n'est pas du tout ça. Bon, des fois ça peut créer des bonnes surprises, mais là j'avais envie de retrouver ce plaisir de jeu en fait. Après, c'est pas un mauvais jeu. Mais... Genre, il me semblait qu'il y avait les combats qui étaient trop longs. Enfin, il y avait quelque chose qui collait pas en fait dans le. Oh là là, oh là là. Putain, et encore deux fois derrière lui. Hein. Styx, t'as pas aimé le Star Fox 3DS, mais c'est un remake du Light Wars, non, le 3DS. Putain, deux fois second, c'est pas bon. Ah ouais, t'imagines, genre comme tu dis, Lithium. Un F-Zero à 30, ou peut-être même plus, à 30, en ligne. Non mais, franchement, je pense que ça serait un jeu que je torcherais, mais plus, quoi. Mais je suis pas très content parce que on gagne pas. J'aime gagner, j'aime finir premier. Là, je suis une toupie, mais random. YOLO, je fais une toupie! J'aurais voulu tuer mon rival. Putain. En plus, il me troll. En me dépassant. Oh là là. Pourquoi j'ai utilisé ce boost? Oh là là, je me prends un vieux mur comme une poubelle. Mais casse-toi là. Là c'était le moyen de le... Je pense que là j'aurais dû... J'ai trop safe state. Je pense que j'aurais... trop safe. J'aurais dû le buter là. Non, je sais pas si c'est possible, hein, parce que franchement, quitte à pas mettre le jeu en HD, tu le mets en 480p, à 12, c'était genre 5 que ça bouge. Sur SS Smash Brawl 4, bah Smash Brawl 4, ouais, je peux comprendre aussi. Hein. Après, la hype autour des personnages était quand même vraiment très grande. Moi, j'ai surkiffé ce que Nintendo a fait, comment ils annonçaient les nouveaux persos et tout. Je trouvais ça trop cool. Genre, tous les jours, j'allais voir s'il n'y en avait pas un nouveau. C'était vraiment trop stylé, la comment ça s'appelle, la cinématique avec Amphinobi, trop ouf. J'étais comme un dingue. You got boost power. Oh! Il m'a touché! Le son a sauté! Double punition! Toi, t'entendras pas, ok? Je te pète tes enceintes, je pète ta stéréo, toi! Je suis bleu. Je suis Samurai Goro, je pète ton son! On est à combien de courses là? 4?
Allez là. J'ai même pas buté, putain. Voilà mon rival qui revient, mais genre à la charge de l'espace. Oh là là, il m'a volé. Oh, je suis blasé. C'est pas moche, FTL Isaac. Ah, Isaac, c'est trop cool. Vous savez que j'ai gagné. Je suis à 88% de Isaac. Putain, on est loin là. C'était la quatrième course. On est loin. Il faut que je bute mon rival là. J'aurais vraiment tellement... Oh là là. Oh oui, le rival, j'ai pas vu, il brillait là. J'ai vu faire une étincelle. Ah non. Putain. Double tentative ratée. Hein. C'est pas le beau jeu. Oh là. Ah oh là là, mais maintenant il a plein de vie. C'est pas le beau jeu. Il y a pas la vie là qui va arriver là. Oh, c'était pas du tout le beau jeu, j'ai raté toute la vie, j'ai pas pu me heal. Oh là 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 là, c'est pas le beau jeu là. Je crois que je vais devoir recommencer la course. Je joue très très mal, ça me déplaît fortement les copains. En plus là je suis à 1 PV, je me fais toucher une fois, je suis mort. Voilà. Bon, c'était le truc. Salut à toi John Duff. C'est le moment d'affirmer sa virilité, c'est ça. Tu me respectes, ok le rival, tu me respectes. Mais il est où? Il était juste derrière moi? Ah fuck. Mais oui, parce qu'en fait on commence en inverse de la position à laquelle on était. Ah là là, poubelle man. Ah là là, c'est pas bon. You got boost power. Allez, premier là, on prend la tête. Bon, second. On prend pas. On prend semi la tête. Vas-y, double-moi, double-moi. J'aimerais beaucoup, beaucoup le déglinguer. Ah, fuck de bite. Très mal joué, j'ai très très mal joué. Je veux, il faut que je le tue. Si je le tue pas, j'ai perdu. Fuck. Je l'ai eu. Oh non! C'est clair. Solide. Solide qui se connecte juste pour dire ça. Mais oui, c'est le circuit beat. Merci à toi mec, j'avais même pas vu. C'est trop ça. Putain, mais il est où mon rival? Il est derrière. Il est vraiment derrière.
que je tue. Enfin. Putain, j'ai plus de vie. Putain. Je joue mal. Je suis désolé, je joue vraiment mal. Je commençais à être très fatigué. C'est quand même fatigant, hein. 4 heures de F0, je pensais pas que c'était aussi fatigant que ça. Ah, il est premier. C'est ça qu'il faut qu'on remonte tout, qu'on le chope et qu'on le bute. Ça paraît compliqué. Hein. Non, c'est mort. La sortie est là. Le jeu qui me ferait acheter la Wii U. C'est vrai que j'ai toujours pas de Wii U. Moi, là, le jeu que j'ai envie de... Enfin, pour m'acheter la... Enfin, qui me donne envie d'acheter la Wii U, c'est Pikmin 3. J'ai tué mon rival. J'ai tué mon rival. On est libre, là. On est libre, Max. Et si j'en tue 2 de plus, j'aurai une vie. Non, 3 de plus. 2 de plus. Un de plus. J'ai gagné une vie. Yes! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai utilisé ce boost? Est-ce que ça marche au niveau des points ou Samurai Goro il en prend trop là? Un jeu speed c'est fatigant ouais. Est-ce que vous avez kiffé cette course? Est-ce que vous avez kiffé cette course? On en a buté 7. Hein. Là, si je suis premier, j'ai gagné. C'est ça qu'on veut. Là, ça vaut un gros GG, les mecs. Hein. Même si j'ai fini 5ème, c'était ça qu'il fallait faire. C'était le bon move. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais ce qui s'est passé, mais vous, vous ne savez pas. J'en tue pas assez. Bah j'en tue assez Algorod, calme-toi bien, j'en ai tué 7. Oula. T'en tues pas assez, non mais respecte-moi Algorod. Respecte F0 bordel. Putain les gens ils respectent plus rien. Qu'est-ce que c'est que cette course? Il n'y a aucun accélérateur au sol. Va falloir que je spamme le boost. Très bien. C'est pas la course la plus compliquée au monde. Pour une dernière course, c'est assez troublant. Si je puis dire. Il y a un mec qui arrive en mode fusée. Oula. Oh merci. Merci ami Skeleton. Je ne te tuerai pas. Merde. À la fin de ce tunnel, c'est la vie, je crois. Ouais. Des fois, on perd le grip. C'est assez bizarre.
On a vu la console charger le reste des textures, c'est assez drôle. Je trouve. Je crois que ça sent le GG, je crois, les copains. Ça sent le GG. Sushi, t'es contente? Sushi est très content. On l'a fait! Merci Dar Philippe, merci Rondoudou, merci Jean-Claude Vandamme, merci Dash. Merci Dark Philippe aussi. GG bien mérité, merci à toi Elorie, ça fait plaisir, des bisous. Des bisous à tous. Elgoroth, bien joué. Cimer à toi copain. C'est O qui dit bien joué, Cimer les amis, Cimer, Cimer. Sushi t'es contente. Mocre pull. Où tu es belle. Et une petite gorgée d'eau. Alors qu'est-ce qui donne le petit Stropole le dernier Stropole sur la série. C'est Pokémon Stadium hein. Pokémon Stadium qui arrive loin 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 au-dessus hein. Pub, c'est l'heure de la pub, c'est l'heure de la pub, merci Piatel. Eh oui, c'est l'heure de la pub les amis. Ouh, on a un X. D'habitude je ne fais pas ce signe, mais sauf que la musique donne vraiment envie d'en faire. T'en as fini avec F0X? J'en ai fini de quoi? Je pense que j'en ai fini. Et après la pause pub. Ah mais il n'y a pas de X là. Et après la pause pub, on revient pour du Maximo Velocity, le premier jeu sur GBA, les copains. Donc ne partez pas, pensez à vous abonner, tout ça.